Bonsoir, bonjour tout le monde, ça va dépendre de regarder la vidéo ça. Et bienvenue ou même qui fait connecter avec nous ce programme ça. Merci à tout le monde qui t'a partagé vidéo ça, qui t'a en sujet de bénédiction pour que t'a fait l'autre monde jouir et nous espérer ça encore pour aller encore plus bénédiction. Dernière vidéo, nous t'a parlé de l'élévation, la présence et puis la volonté. D'après Matthieu chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 10, nous te prenons trois points qui sont essentiels lorsque vous mettez en application, mettez en vigueur, ou à permettre à ce que la prière soit capable de faire avec efficacité. Nous continuons avec un autre point encore aujourd'hui pour être capable de boucler avec ces risques. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la prière. Lorsque on prie, comment prier est capable de faire impact, comment prier est capable d'influencer, comment prier est capable de porter des résultats positifs. Pour que ça arrive, il faut ou prier avec puissance. Comment on capable prier avec puissance? Bon, avec vous d'abord, qui ça la puissance de la prière, l'ipaye, et ensuite de Bradway, qui ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de la prière. La puissance de la prière, ce n'est pas une formule. Pas qu'une pièce formule qui existe dans quelque soit université, hein, quelle que soit théologie, hein, il y a une formule qui est bien vue, bien organisée pour dire d'après formule ça, si j'applique formule ça, je suis capable de prier, je suis capable de faire avec puissance. Pas des formules qui existent. Hein? Ce n'est pas les gens qui cherchent une formule, ou chercher un pasteur, chercher à étudier théologie, non, pas des formules. Comment je suis capable de prier avec puissance? Comment prier pour faire un impact? Un seul point à partager avec vous seulement. Uniquement, c'est l'heure où gagner ou développer relation, intimité personnelle avec mon Dieu. Waouh! Prier pour avoir un impact, prier pour faire effet, c'est lorsque nous avons une relation avec mon Dieu. Lorsque nous avons une relation, une intimité qui est très, très profonde avec mon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui prient, grand plus de monde qui prient dans le monde là, mais ce n'est pas toute prière qui a impact. Il y a des prières qui font, c'est des prières qui font, mais qui n'ont pas d'effet sur la nature, voire sur le monde surnaturel. Mais il y a des gens en ouvrant la bouche, il y a un impact. Pourquoi ça? Parce qu'il y a une proximité. Bon, les gens ont un approchement vers mon Dieu. Les gens sont tellement proches de mon Dieu en ouvrant la bouche. Pendant que les gens ouvrent la bouche comme ça, et puis prière, ils font un impact. Pourquoi ça? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'affection de Dieu. D'après Romains chapitre 8, le verset 6, il dit les gens qui affectent, les gens qui approchent, vers les bagages qui chanel, ou après les gens qui la prière, ils ont prié qui chanel. Pourtant, les gens qui approchent vers l'esprit, les gens qui prient en esprit. Prier a un impact, prier a fait effet, c'est lorsque vous avez une relation, vous avez une intimité qui est personnelle avec mon Dieu. Lorsque vous commencez à développer une relation, vous commencez à développer une intimité, vous avez garanti que la prière a commencé à faire effet. Dans la vie, dans la famille, dans la faculté, et dans le territoire que vous devez vivre, dans le pays que vous devez vivre, et même à l'extérieur, vous avez un monde qui vit puissant. Parce que lorsque vous commencez à développer une relation, qui s'aligne comme effet positif? Nous allons commencer par attendre des voix, bon Dieu. Nous allons commencer par recevoir des stratégies dans mes bons. Parce que chaque combat, il y a une stratégie. Lorsque ma prière m'a brisé, lorsque ma prière m'a libéré, lorsque ma prière, alléluia, lorsque ma prière m'a fait bagaille, homme pas qu'à faire dans le naturel, lorsque je commence à prier, la fête dans le surnaturel. Après quelques secondes, je vais prier pour vous. Avant de terminer avec l'étude, avant de boucler, c'est ça. Je vais prendre quelques secondes pour prier pour vous. Quand vous êtes si malade, quel que soit votre malade là, juste déposer mes mains pour malade là. Parce que la foi est immédiate. Oh, alléluia. Je vais prier pour vous. Si vous avez des difficultés, oh, alléluia. Mettez des difficultés en face de vous et je vais prier pour vous. Je vais déclarer la vie. Nous allons prier pour vous et nous allons prier ça. L'efficace, la fait effet, la fait impact, la influencer. Alléluia. Et prier ça dans le prochain épisode là, on va nos résultats, on va commencer par témoigner pour dire mais ça, bon Dieu. Juste déposer même, ou même qui est malade, quand on est malade là, et qui a quelque soit difficulté, soit pas malade, quelque soit son guérir, juste fais mes yeux. Agis foi, quoi que bon Dieu agit. Père, nous Dieu merci. Bon Dieu Israël, là, bon Dieu Jacob, là, bon Dieu Panoua. Moi, je viens devant, dans mes minutes, en façon spéciale après-midi. Hein.
Père, dans le ça, pour moi prier pour chaque monde qui connecté avec moi, souhait. Alléluia. Au nom du Saint Verset de Jésus. Ou dire dans la parole d'Ésaïe chapitre 53. Il a pris nos infirmités. Tu t'es chargé de nos douleurs. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Père, dans le nom précieux de Jésus. Moi déclaré Kounia même de façon immédiate. Que chaque monde qui a une douleur là, qui est malade de manière physique, au nom du Saint-Verset de Jésus, qui recevra guérison Kounia, au nom de Jésus. Moi, relâcher guérison dans la vie, Kounia même, quand tu entends qui est malade, quelle que soit la maladie ou gain, quelle que soit la difficulté, la douleur, gain, Kounia même, au nom de Jésus. Moi, relâcher guérison dans la vie, Kounia, au nom de Jésus. Et quelle que soit la difficulté ou gain, qui pas maladie, l'autre problème, me déclarer liberté sur la vie, Kounia, au nom de Jésus. Ou mettre quoi, moi? Vous mettez quoi, vous avez garanti ou guéri. Vous avez garanti, ça, vous êtes devant, vous êtes déplacé. Parce que nous prions avec puissance, mon Dieu. Parce que nous relâchons la grâce sur la vie. Nous relâchons la paix sur la vie. Nous avons bon garanti que nous sommes arrivés. Ça, vous êtes nous là, vous disparaît au nom de Jésus. Nous sommes contents avec vous. Nous te partageons avec vous la puissance de la prière. Comment vous pouvez faire prier avec puissance? Les malotes moyens, c'est lorsque vous développez une relation, une intimité personnelle avec mon Dieu. Vous venez proche vers mon Dieu en ouvrant la bouche et prier. Il y a fait effet, il y a gagné un résultat positif. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.